2001 a été une année de grande réalisation pour le projet de transport. Sur la ligne légère de chargeur, Unicar Tropical a fait ses premiers voyages avec les passagers à bord. Dans le centre USDT aux Émirats Arabes Unis, la construction de 4 supports d'ancrage pour les premières pistes d'eau. Sur les nouvelles pistes, le transport à cordes affichera pour la première fois des vitesses supérieures à 150 km par heure. Le transport à cordes a été certifié dans les Émirats Arabes Unis. Les experts internationaux ont conclu que cette technologie répond aux exigences mondiales en matière de fiabilité et de sécurité. La certification aide le projet à pénétrer de nouveaux marchés pour faciliter la coopération avec les clients du monde. Chargea a également accueilli les premiers essais de transport à cordes de marchandises. À l'autoroute, la piste légère du centre d'essai a reçu l'autorisation des autorités émirates pour démonstration et un essai de montée. La version d'exposition du transport à cordes à grande vitesse se trouve maintenant dans un pavillon spécial au centre USDT Infrastructure. À la fin de l'année, l'inventeur de la technologie à cordes, Anatoly Nishki, a annoncé la signature des 4 premiers contrats pour des projets cités. Ce ne sont là que quelques-unes des avancées spectaculaires qui permettent à la technologie à cordes d'atteindre le marché mondial. Ce n'est que le début d'un progrès auquel chacun peut participer. Vous venez ici, rejoignez-vous. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus à cette séance coutumière de présentation de notre technologie à cordes. Et comme d'habitude, je suis Donatien Gérard et investisseur dans le projet depuis 2018. Aujourd'hui, j'ai la ferme conviction que nous sommes déjà sur la dernière ligne droite et ceux qui ne pourront pas ou ceux qui ne voudront pas ou ceux qui ne vont pas rejoindre le projet, aujourd'hui, n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce qu'ils ne pourront plus devenir, très bientôt, j'en suis certain, copropriétaires de cette technologie à cordes. Eh bien, aujourd'hui, dans ce webinaire, comme à l'accoutumée, nous parlerons des dernières nouvelles du projet. Nous verrons quels sont les facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Quels sont les problèmes, les risques et sécurité des systèmes de transport actuels et les possibilités et perspectives du système de transport innovant, le transport à cordes qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Nous verrons donc qu'est-ce que Skywalk Community vous offre et quels avantages, perspectives et bénéfices vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Restez donc scotché jusqu'à la fin pour ne rien rater de tout ce que nous allons présenter ici. Nous commençons bien évidemment par la dernière nouvelle chaude qui est l'anniversaire le 16 avril dernier, il y a de cela deux jours, de Anatoly Unitsky, qui est le concepteur général des technologies des transports à cordes. Aujourd'hui, le grand créateur des technologies à cordes, Anatoly Unitsky, a 60
13 ans passés. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons que lui souhaiter bonne santé et longévité, afin qu'il puisse voir au maximum les résultats pour lesquels il a travaillé toute sa vie. Nous serons tous heureux de ces résultats, non seulement financièrement, mais aussi spirituellement, car nous vivons dans un monde meilleur. La planète Terre est notre maison commune. Si vous n'apprenez pas à vivre en harmonie avec la nature dans cette maison, nous nous échouerons. Je suis convaincu que nous nous rapprochons de cette harmonie chaque année. Et à l'occasion donc de cet anniversaire, il nous fait encore un cadeau. Union 73, investir avec un escompte jusqu'à 1,73 en l'honneur de l'anniversaire d'Anatoly Iniski. Alors, le 16 avril marque l'année des 73 ans de l'auteur de la technologie Accord et concepteur général de la société de développement Iniski String Technology. Anatoly Iniski, en 40 ans, a créé une technologie de transport innovante fondée sur une équipe de 600 spécialistes et rassemblé des centaines de milliers de personnes du monde entier. À l'honneur de cet événement, l'offre Union 73 est créée dans votre back-office avec lequel vous pouvez investir avec un escompte allant jusqu'à 1,73. La promotion se déroulera du 16 au 19 avril, condition de l'offre Union 73. Eh bien, deux packs ont été mis en jeu de 1 000 $. Si vous prenez ce pack à tempérament pour 5 mois à raison de 200 $ par mois, vous aurez un escompte de 1,70 qui vous donne 70 000 parts d'action dans le projet. Et l'offre Union 73, si vous le prenez, ce pack de 1 000 $ cash, vous obtenez 73 000 parts dans le projet. Rejoignez-le aujourd'hui. Voilà encore une occasion unique. Cette offre a été donnée le 16 et s'achève demain. Alors, tout de suite dans vos back-office et réservez ce pack parce que, vous voyez, le temps donné rien que pour la promotion est réduit. Ça signifie beaucoup. Ça signifie beaucoup, ça signifie que nous sommes déjà vers la fin et que les retardataires auront véritablement tort. Voilà. Quelques faits sur Skyway. Le transport à Accord faisait partie d'un programme d'exploration spatiale. Même dans ses années d'études, l'inventeur du transport à cordes, Anatoly Iniski, a commencé à travailler sur le problème de l'introduction de l'industrie moderne dans l'espace pour préserver l'écosystème naturel de la planète. À la suite de ce travail, l'idée d'un moyen de transport uniplanétaire, un système de transport pour le transport de marchandises en orbite terrestre basse est né. Le MTU est une roue fermée d'un diamètre transversal de l'ordre de 10 mètres, située sur une escatade spéciale installée le long de l'équateur. La hauteur de l'escatade, en fonction du relief, varie de quelques dizaines à plusieurs centaines de mètres. Le MTU est une structure autoportante stable qui est un fil étiré avec des dimensions transversales infinitésimales par rapport à la longueur. Selon le principe, le MTU est une sorte de technologie de transport à cordes. Sinon, en orbite, cette structure d'un diamètre supérieur à 12 de milliers de kilomètres perdrait sa stabilité selon Anatoly Iniski. Skyway fait partie du programme du MTU et pour sa mise en œuvre, il est nécessaire de passer du singulier au général. Les systèmes de transport accordent aujourd'hui au développement de l'orbite terrestre basse à l'avenir. USky Transport élargit le pool de contact d'affaires. USky Transport and Infrastructure Technologies continue de susciter un grand intérêt de la part des gens du monde entier. Récemment, USky Test and Certification Center a été fréquenté par des hommes d'affaires de différents pays.
Le docteur Hamzi Al-Alaza, conseiller et directeur du conseil d'administration de Amriya Steel à Sharjah aux Émirats Arabes Unis, faisait partie de ses invités de marque. Le docteur Hamzi Al-Alaza a visité le centre de test et de certification U-Sky pour se familiariser avec les avantages de la technologie U-Sky, tels que le coût de construction, plusieurs fois inférieur à des coûts d'exploitation supplémentaires, extrême respect de l'environnement, la sécurité des passagers, grande adaptabilité, un confort, une efficacité énergétique, une vitesse élevée jusqu'à 150 km par heure, moins de consommation de matière, acquisition foncière minimale, intégrabilité de toute infrastructure urbaine existante sans perturber l'architecture environnement. Clôturant la réunion, le docteur Anatoly Nitsky a présenté au docteur Hamzi son livre autobiographique The Engineer, où le designer raconte son travail sur la création de U-Sky Transport, les objectifs qu'il aspirait à atteindre et les difficultés auxquelles il a dû faire face. Eh bien, qu'est-ce que donc ce transport accorde dont nous parlons? Il s'agit d'une technologie innovante. Au problème de transport urbain aujourd'hui, de marchandises et à grande vitesse. Un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats Arabes Unis, donnant la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. Cette image que vous voyez ici date de 1914. En cette année, l'usine de confiserie russe appelée Eniem produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi qu'il a réalisé le monde dans un avenir proche. En voilà une escatade ajourée avec un wagon suspendu. Dans l'illustration suivante, les voitures et les tramways entrent en collision. Les gens courent, essayant de ne pas tomber sous la roue, mais dans le ciel, on aperçoit toujours ce tramway céleste. Cette situation que vous voyez ne nous est pas du tout indifférente, non, plutôt très familière, c'est notre monde. Le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture, que ce soit des accidents de train aussi, des navires, avions, par actes terroristes, des conflits militaires, catastrophes naturelles ou blessures professionnelles. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports non donc surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne, à savoir le trafic dense des routes et le transport et la mort des personnes causée par le manque de sécurité de ces systèmes de transport que nous utilisons aujourd'hui. En construisant des routes, l'homme envahit la nature et elle vit sa vie et essaye de résister à l'homme tant bien que mal. Celui-ci reste persévérant, ok? Tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Le prochain problème majeur de notre époque, c'est la pollution de l'environnement. Un problème à résoudre carrément pour protéger notre couche d'ozone. Le passage du transport moderne à l'électricité aujourd'hui, il faut le savoir, ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture à une prise de courant, nous nous connectons indirectement à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir des combustibles fossiles et qui polluent, eux, également l'environnement. Donc, le quatrième défi, c'est celui de réduire la consommation d'énergie. Dans différentes années, de différentes manières, les gens ont essayé de monter plus haut à la surface de la Terre. Au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes, à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts, mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de matériel restent évidents. Des tentatives de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier en Allemagne. Et de nos jours en Chine, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre, en ce qu'il y a moins d'espace sur le sol, mais c'est là la seule différence.
Ces photos que vous voyez n'ont jamais été classifiées confidentielles, mais pour des raisons quelconques, personne n'a jusqu'à présent combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique. Intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière le simple rouleau par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Bien évidemment, il ne faut pas le confondre avec le téléphérique ni le funiculaire. Ils n'ont pas leur propre moteur. Le transport que nous allons étudier aujourd'hui a son propre moteur et également sa propre structure de trajet. Qu'est-ce que U-Sky? Il s'agit d'une infrastructure à cordes constituée de villes linéaires, d'éco-maisons et de ports maritimes. La mise en place de systèmes de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet U-Sky. Plus les pistes à cordes apparaissent dans le monde, plus le besoin de changer l'infrastructure des villes et des zones suburbaines est grand. Avec l'introduction du transport U-Sky, il sera de moins en moins nécessaire de couper des forêts, de construire des routes et des voies ferrées et d'utiliser d'autres méthodes similaires, détruisant les écosystèmes dans les zones de développement. Eh bien, en parlant d'éco-maison, voici une image d'une éco-maison très intéressante, déjà opérationnelle à Sharjah et aussi en Biélorussie, dans l'éco-technoparc et au centre de recherche et d'innovation technologique du Sharjah. Et voici donc une autre perspective de ville linéaire. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Fixons-nous donc le problème avant de pouvoir continuer, qui consiste ici à se déplacer d'un point A à un point B de la surface de la Terre de façon paisible, confortable. Selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et aussi la flore. On peut voir tout cela sur cette image. La prochaine étape consiste à créer donc une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et seulement alors, à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter des travaux de terrassement lourds et la destruction des habitats, des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Rappelons la méthode utilisée par les enfants tout à l'heure, au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Souvenez-vous-en, au lieu d'un pont lourd et coûteux, comme ce qui est déjà utilisé aujourd'hui, on pose plutôt un câble. Les supports lourds n'étant pas nécessaires en ce moment, on les remplace par des supports légers. On va donc tirer le câble et fixer ses extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires. Nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons ici une structure de rail unique. La voilà donc en section. La composition et les propriétés sont sur le schéma. On a là le corps du rail, les cordes, tête du rail et une remplisseuse, là qui est un béton flexible. Une variante de structure du rail à cordes. La tête du rail plate et la roue cylindrique en acier garantissent une consommation d'énergie minimale pour le mouvement. Le rail à cordes combine les propriétés d'un câble souple sur une grande portée entre support et d'une poutre rigide sur une petite portée, sous la roue d'un autorail électrique et au-dessus du support. Sur cette base, donc, il est possible de créer 3 types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Des rails semi-rigides, comme vous voyez là, la première au-dessus, qui peut aller du 50. Les engins sur ces rails peuvent aller de 50 à 250 km par heure, vitesse autorisée. Les rails rigides, de 100 à 100, à 500, autant pour moi, km par heure. Et les rails flexibles,
peut aller de 30 à 150 km par heure, vitesse autorisée. Regardez ici sur cette image, les rails semi-rigides et flexibles. Ceci, c'est un photomontage qui montre des aubans supportant le vrai pont. Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure de trajet à corde. En passant dans ce cas donc, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Et ceci, ce n'est plus du tout un photomontage, non, une vraie photo avec un vrai engin, une Nikkar tropicale que vous pouvez voir en arrière. C'est une vraie photo prise en octobre dernier dans le Centre de recherche et d'innovation technologie UST à Sharjah. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rails à cordes est que les rails n'ont pas de soudure. Ceci signifie que nous n'entendons pas le bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau, donc, est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence de pilote et le passage au contrôle automatique éliminent l'influence du facteur humain et bien évidemment, la conception a un système anti-déraillement spécial. Il est possible de réduire la charge de la structure de trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique aujourd'hui et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas compliqué de résoudre un tel problème logistique. Revenons aux roues déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci, c'est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Regardez vous-même, c'est une invention encore de l'ingénieur Anatoly Yunitsky. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est celle de réduire la résistance aérodynamique à l'air du véhicule. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation de carburant de celle-ci. Sur le transport de second niveau, les flux d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici l'appareil qui vient d'être présenté sur le schéma précédent en grandeur nature. Il s'agit d'un minibus à grande vitesse et pour cette raison, cet minibus à grande vitesse qui a un coefficient de freiner, de traîner, qui est près de 10 fois inférieur à celui d'une voiture normale, peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. Qui ne voudrait pas avoir un système de transport pareil? C'est le transport que tout le monde attend. Maintenant, rappelons les problèmes liés au transport aujourd'hui, la surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Et sur ce diagramme, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport à cordes que Yusky offre est peu en vert. Le transport à cordes a donc la solution la plus optimale dans tous les paramètres technologiques. Ici, on peut voir clairement l'avantage du transport à cordes en termes de temps de délivrance et coût de délivrance. Et dans ce tableau, voici une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et même projetés. Et le transport à cordes est véritablement le plus optimal, près de 10 fois inférieur à tous les autres systèmes de transport. Donc, U-Sky, le transport de deuxième niveau est un transport léger, rapide, écologique et surtout économique. Tout le monde peut investir, tout le monde. Nous proposons des investissements pour un budget à partir de $50 pour avoir 800 actions actuellement. Le plan de versement pratique peut être divisé en 5 mensualités. Aujourd'hui, il y a plus de 400 investisseurs partout dans le monde, dans plus de 200 pays, y compris des hommes d'affaires, des enseignants, des ingénieurs et des personnes de différentes professions. Quelles sont donc vos perspectives d'investissement dans le projet? Premièrement, lors de la mise en œuvre réussie du projet, nous sommes déjà en train d'entrer sur le marché cette année. Et d'ailleurs, en fin d'année 2021, le PDG a précisé la signature des 4 contrats déjà avec différents pays. Donc, nous sommes déjà en train d'entrer sur le marché. Et vous pourrez bénéficier des dividendes de la part des bénéfices des projets de l'entreprise. Le rachat d'actions, l'entreprise a déjà fait en 2018
où les 5 000 premiers investisseurs ont pu revendre leurs actions à un montant allant à près de 10 fois le montant qu'ils avaient investi. Les actions sont votre propriété. Vous pouvez les transmettre à vos enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants en héritage. Les ventes d'actions. La valeur de l'action actuelle est bien inférieure à sa valeur nominale qui est de 1 $. En cas de décision de la société d'entrer sur le marché boursier, vous pourrez avoir la possibilité de revendre vos actions en ce moment sur le marché boursier. L'auteur du projet, c'est ce monsieur Anatoly Edouardovitch Unitsky, à qui il a fallu 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Il est chef de 2 projets de l'Organisation des Nations Unies, auteur de plus de 150 inventions, 200 articles scientifiques et 20 monographies. Membre de la Fédération de Navigation Cosmique de l'URSS, président du conseil d'administration du groupe international Société Unitsky String Technologies. Les détails de sa biographie et ses développements personnels peuvent être trouvés sur son site unitsky.engineer. Il y a aussi des matériaux pour tous ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Actuellement, 7 modes de transport ont été développés pour le transport des passagers. Voici quelques images en grandeur nature. Et aussi 4 modes de transport pour le transport des marchandises. Le transport sur les rails à cordes se déplace au-dessus des routes et de l'eau sans interférer les autres modes de transport. Il s'intègre facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles. Pour le transport à cordes, il n'est pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux, de détruire la couche fertile du sol. Le transport à cordes s'intègre facilement dans n'importe quel paysage naturel et dans les infrastructures urbaines et en ses propres supports. Il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à 18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré beaucoup d'attention. Ces photos ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition InnoTrans. La prochaine exposition InnoTrans à Berlin de cette année, l'inscription technologie sera encore présente. Notez la photo en haut à gauche. Les employés du stand de téléphérique suisse et tous ceux qui sont présents regardent en direction du Skyway. Bien sûr, il est impossible de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, a subi de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le transport à cordes a passé les tests peuvent être facilement trouvés sur le site. La technologie de transport à cordes a obtenu 83 brevets dans 18 pays, des États-Unis à la Chine, plusieurs certificats, brevets et récompenses. Ici, sur les diapositives, il n'y a pas un dixième document que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur le site web de l'entreprise unitsky.engineer. Sans aucun doute, il est impossible pour un seul homme de mener à bien un tel travail titanesque. Pour ce faire, donc, la société Unitsky Steam Technology a été créée à Minsk en République de Biélorussie. Depuis 2019, la société emploie plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux et de production couvre une superficie de plus de 10 000 mètres carrés. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées pour le transport de marchandises et de passagers urbains et interurbains à grande vitesse et à hyper vitesse. L'argent des investisseurs a permis de construire un éco-technoparc non loin de la ville de Minsk en Biélorussie. Voilà, depuis 2019, cet éco-technoparc est prêt et chaque année, à l'heure de l'éco-fest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs propres yeux les réalisations et s'assurer de tout ce qui s'y passe. Chaque fois, quelque chose de nouveau ici est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation UST aux Émirats Arabes Unis dans l'émirat de Sharjah. Le centre d'innovation UST à Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Le transport aux Émirats Arabes Unis sera une preuve supplémentaire donc que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques
de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre et ce transport ne nous surprendra plus du tout comme le fait aujourd'hui le tram et le métro. Ils ne le surprennent plus du tout. Ainsi, nous pouvons dire que le transport à cordes est un transport innovant qui se déplace au-dessus du sol à haute vitesse, sûr, efficace, facilement intégrable et surtout écologique. Merci pour votre aimable attention et comme à l'accoutumée, je vous laisse avec une vidéo pour que vous puissiez admirer encore une fois de plus ce transport magnifique. Je vous dis à très bientôt pour des dernières nouvelles et une présentation de cette magnifique technologie à cordes. Thank you.